fêté le 13e anniversaire du mariage entre le prince Albert II de Monaco et de la princesse Charlène, le palais princier a posté un cliché du couple sur lequel le souverain et l'ancienne nageuse échangent un regard très complice au balcon du palais princier. C'est en 2006 que Charlène de Monaco, une ancienne championne de natation originaire d'Afrique du Sud, a officialisé sa relation avec le prince Albert de Monaco. En effet, l'ancienne sportive et le souverain monégasque se sont publiquement affichés ensemble durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulait du côté de Turin en Italie cette année-là. Par la suite, Charlène de Monaco a multiplié les apparitions officielles en compagnie du prince Albert II. Finalement, c'est en juin 2010 que le couple a officiellement annoncé ses fiançailles en postant une magnifique photo sur laquelle la future princesse portait une création de sa maison fétiche à Chris. Par la suite, le mariage du prince Albert II et de Charlène de Monaco a eu lieu le 1er juillet 2011. Pour l'occasion, la future princesse, de confession protestante, s'était convertie au catholicisme. Après leurs noces, les deux jeunes mariés ont décidé de passer leur lune de miel sur les terres natales de la princesse Charlène, en Afrique du Sud. En ce lundi 1er juillet 2024, le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco célèbrent leur 13e anniversaire de mariage, correspondant aux noces de Muguet. Pour l'occasion, le compte Instagram du palais princier a publié une photo du couple le jour même. Sur le cliché en question, on peut voir le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco en train d'échanger un regard complice alors qu'ils font face à la foule depuis le balcon du palais princier de Monaco. Joyeux anniversaire de mariage à leurs altesses, le prince Albert II et la princesse Charlène. Est-il également écrit en guise de légende? La photo en question est plutôt récente, étant donné qu'elle date du 14 mars 2024. Ce jour-là, le prince Albert II de Monaco fêtait son 66e anniversaire en compagnie de sa femme et de ses enfants au sein du palais princier. Le cliché a été immortalisé par un photographe habitué du rocher, Éric Matan. En l'espace de 13 ans de mariage, le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco ont traversé de nombreuses épreuves. Ils ont notamment dû faire face à des rumeurs incessantes qui annonçaient leur séparation au fil des années. De plus, le couple a été séparé contre sa volonté durant un très long moment entre 2022 et 2023. À ce moment-là, la princesse Charlène de Monaco, qui était en Afrique du Sud pour les besoins de sa fondation, avait eu l'interdiction de prendre l'avion pour rentrer sur le rocher. En fait, l'ancienne nageuse souffrait d'une infection de la zone ORL qui l'empêchait de voyager. Après plusieurs longues semaines d'attente, elle avait enfin pu regagner le territoire de la principauté afin d'y poursuivre sa convalescence.